C'est rendez-vous lié chaque matin pour que nous soyons capables de parler de questions politiques. Bonjour, bonsoir. Nous comptons ensemble avec vous dans le cadre d'émission mise au point matin là pour que nous fassions mise au point sur quelques points qui ont dominé l'actualité, mais particulièrement sur le domaine politique. Puisque jeudi dernier, il y a un groupe parti politique avec organisation qui mettait ensemble pour capable créer sa capacité, une entente nationale de quoi pour capable favoriser la stabilité politique dans le pays. Et il y a l'autre question encore, il y a le président de la République là, qui a fait une tournée européenne, il y a un dossier corruption. Et bien, un pile point. Nous allons débattre aujourd'hui dans cette émission mise au point ça avec le professeur Jérémy Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour professeur, merci d'être présent avec nous. Bonjour chef Dumont. Bon, vous connaissez un gros chef Scotoy. Son plaisir pour moi ce plateau. Et puis, nous allons débattre des sujets vraiment importants pour l'avenir de ce pays. Président de la République actuellement en Europe, professeur, et qui importance déplacement ça a gagné, surtout dans la question réchauffement climatique là? Bon, et planète Terre là, c'est notre maison commune. Et nous avons constaté avec le temps que partout à travers le monde, à travers les deux pôles, pas vrai, il y a maintenant c'est la sécheresse qui a commencé. En pile banquise commence à effondrer, etc. Tout ça. Donc, avec le réchauffement de la planète, inévitablement, c'est plus de maladies. Ouais. Plus de maladies par conséquent, et plus de morts aussi. Et les îles, par exemple, sont extrêmement dangereuses pour le moment. Pas oublié, il n'y a pas longtemps là, c'est Saint-Martin qui était sous de l'eau. Donc, il faut nécessairement que le monde entier, toutes les puissances, surtout ceux qui ont de l'argent, pas vrai, et fusionner fossiles pour être capable de stopper le réchauffement de la planète. Lors de ceux qui ont de l'argent, nous avons des pays États-Unis qui sont grandes puissances, qui certainement questionnent par question dégagement gaz à effet de serre. Pays États-Unis, tu as censé retirer quoi dans la question à quoi ça? Bon, c'est dommage. Et nous espérons normalement que ce n'est que. Et ça me calme, on halte. Les États-Unis a fini par prendre conscience parce que c'est le deuxième pollueur du monde après la Chine. Et la Chine a déjà emboîté le pas pour résoudre le problème climatique là. Donc il revient aux États-Unis normalement qui trace exemple, qui suppose trace exemple, qui oblige trace exemple. D'autant plus les USA se présentent sur le chiquier international comme étant normalement la garantie de la démocratie à travers le monde. Le président républicain dans l'intervention il a plaidé pour que vraiment il y ait un engagement dans le sens qui prend bon côté groupe pays. Et le président français a lui-même a exprimé cette inquiétude par rapport puisque le sommet a censé finir et a censé résultat en déjà mitigé. Qui espérance gagne par rapport à la question ça? Bon, nous devons continuer à espérer. Et gonsé de puissance qui prétendent qu'il y a des aides, gonsé de puissance qui prétendent normalement qu'il y a soutenu les pays sous-développés, mais parfois ils ont décidé normalement pour soutenir normalement ces pays développés, normalement qu'ils ont imposé leur point de vue. C'est tout un problème. En tout cas, nous espérons qu'ils sont sincères, parce qu'ils y vont même pour leur propre avenir, pour l'avenir de leur population, parce que nous tous concernés, le réchauffement de la planète. Là. Oui, parce que tellement, c'est une planète, une seule planète. Et Haïti, comme petit pays, puisque un objectif à sommet ça, c'est de garder qui est capable de jouer l'argent pour capable aider petit pays à faire face à la situation. Ça a un gros danger pour petit pays. En tout cas, c'est l'occasion pour nous demander, peuple haïtien et gouvernement haïtien, pour rebraser le pays. Il est temps, normalement, qu'ils prennent des mesures drastiques contre le monde qui a coupé les pieds bois. Et c'est l'occasion également d'inviter le gouvernement pour une politique de rebraser le pays. Par exemple, pendant 25 ans, il est capable d'interdire pour ne pas couper les bois. Moyennant, il n'y a pas importé bois venant du Canada, d'autres pays, et sans taxes, sans impôts, pendant 25 ans. Et encourager les jeunes, encourager surtout la jeunesse là, encourager et inviter et utiliser même les scouts. Nous sommes là pour ça. Pas vrai, à travers le pays, nous sommes nous pratiquons toujours de tous les temps, ça nous carré le volontariat, le bénévolat, etc. Tout ça. Utiliser les scouts
de ce pays, la jeunesse de ce pays. Utiliser normalement les universitaires, les écoliers, etc. pour reboiser ce pays. Il y va aussi de ça, nous capables, un choix politique qui est fait par nos dirigeants et les namga des présidents de la République là, dans le cadre de la question de courant 24 sur 24 là, et question de choix énergétique que l'été capable de faire dans ce sens pour capable combattre sans capable les gaz à effet de serre là. Qui est pression sur ça pour ça? En tout cas, ce que certains sont, c'est un choix vital. Et nous espérons, puisque le président prend engagement pour les doter pays enfin courant 24 sur 24 heures, nous espérons vraiment, parce qu'en dehors de l'énergie, il n'y a plus de développement. Okay. Oui. En dehors de l'énergie, il n'y a plus d'éducation pour capable étendre sur tout le territoire. C'est une bagaille qui baille problème, non, qui baille pays en problème. Parce que jusqu'à présent, nous avons une majorité de peuple qui n'a pas de l'eau pour boire, qui n'a pas d'énergie nulle part, ou même qu'on a travaillé normalement, deux coups normal blackout, et chaque mois, il y a un bord d'eau, mais hauteur. Donc, ça veut dire que vous-même, vous avez payé normalement et blackout. Comme ça, on était un point fort, prioritaire de l'administration Moïse, l'administration et Jovenel Moïse là, actuellement là. Et impression sur la corruption, professeur? En tout cas, nous espérons, le président dit carrément que lui-même l'a mis fin à la corruption. Nous en doutons fort qu'un président a mis fin à la corruption, mais nous avons invité le président Kembe Mole pour combattre la corruption. C'est corruption, c'est lui qui est à l'origine même de, en grande partie, du sous-développement de ce pays. Et nous avons commencé depuis sous Pétion, d'Alexandre Pétion. Lisez le livre de Leslie Payan, ce que deux gros tomes sur la question de corruption en Haïti. Corruption également, les responsables, normalement, non seulement enfin, sous-développement, par exemple, et, pas d'instruction dans le pays, pas de travail, c'est encore la corruption. Nous croyons normalement qu'il est temps que un gouvernement, peuple haïtien, a lutté pour mettre fin à ça. D'ailleurs, ça me vient à l'esprit, le pape François, t'a dit normalement que la corruption pue. Et ceux qui pratiquent la corruption puent également. Et pays d'Haïti, si nous ne mettons pas fin, si nous ne combattons pas véritablement la corruption, ça, nous avons fini par perdre le pays. Pour pas oublier que ce soit la Grèce antique, la Rome antique, qui a fini par effondrer, c'est la corruption qui a effondré. Ok. Avant de nous arriver à la question, comment combattre la corruption, on regarde des facteurs d'après ou même ou identifier qui favorisent la corruption, favorisent. Bon, ils sont de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales. De toutes les couleurs, de toutes les classes sociales. D'abord, ce n'est pas l'État qu'on devient riche en Haïti, de tous les temps. Et corruption, par exemple, il suffit normalement que quelqu'un parfois soit nommé dans un poste, c'est l'occasion pour lui de s'enrichir. Il est temps normalement que l'État haïtien trace des exemples. Est-ce que c'est mon nom ou système là? Système là. Parce que le système là normalement a facilité. Pour moi, c'est bien. Même la constitution haïtienne a alimenté la corruption. Parce que quand la constitution dit que le chef de l'État est mineur, alors qu'au fond, dans la pratique, le chef de l'État a comporté comme si il était évolué dans un régime présidentiel. Il décide de tout. On ne voit pas sa main, on ne l'entend pas, il passe des ordres. Donc, fort souvent, qu'est-ce l'État? C'est l'argent poche utilisé à leur fin, suivant leur caprice. Donc, il est temps également qu'ils passent les mains sous la constitution, ça, qui dit normalement que un chef d'État n'est pas mineur. Donc, il prend des mesures. Il faiblesse au niveau du cadre juridique. Yo. Il va sans dire. Ok. L'autre aspect, regardez l'aspect social. Est-ce que situation, taux de chômage, misère dans le pays, est-ce que c'est un facteur tout qui favorise la question de corruption? Il n'y a pas longtemps, je participais dans un hôtel Montana, que UNESCO a organisé. À l'occasion de leurs 70 ans de coopération avec Haïti. Justement. Et là encore, la communauté internationale a insisté sur la question de corruption qui a gangréné le pays d'Haïti. Il n'y a pas longtemps,
cardinal nous a dit normalement que il faut mettre fin à cette corruption. Sinon, pas grave, ni pour le pays. Et c'est corruption ça qui à la base aussi que la fuite des cerveaux. Des jeunes normalement qui prennent ça qui prend Canter, ça qui prend Zafra, ça qui passe par elle périt dans la Couchili ou du moins elle cherche la vie dans la Couchili. Donc corruption son système qui n'est pas fini avec le temps par institutionnaliser en Haïti. Okay. Comment combattre exactement qu'on est là? Par des mesures drastiques. Et pourquoi c'est qui est drôle? Pendant moi, nous comment combattre les? Et par contre, sous songer le procès de la consolidation. Procès de la consolidation par Noé Alexis. Nous sommes dans les années. Non, Alexis prend pouvoir en 1902, si je ne me fais pas défaut, 1906, c'est pour ça de la consolidation. Mais ce qui est drôle, tous ceux qui ont été condamnés pour la corruption se sont retrouvés peu de temps après comme ministre et même comme président du pays. Ma bonne exemple, tant qu'Auguste, il est devenu président. Ce sénateur Lecomte, il est devenu président. C'est pour vous dire normalement que Négio, en Haïti, ou volons poule, et bien on rentre au pénitencier pour ne plus en sortir. Ceux qui pillent l'État, on les considère comme, comme des gens intelligents. La corruption est partout. Partout, dans toutes les institutions de l'État. Partout, par exemple, on a pris un exemple, on a regardé. Un jeune diplômé qui répondent à toutes les conditions. Fort souvent, c'est cette, parfois c'est son fille, il fait des propositions pour le capable pour le jeune poste là. C'est de la corruption. Donc, il y a les mêmes au niveau du système nous-mêmes. Non, c'est le système qui faut. Et au niveau de même éducation, non, c'est pas fondamental pour nous capables de garder le système éducatif là. Même au niveau éducation familiale, comment nous lever nous dans la famille, nous, qui est passé. Parce que de nos jours, nous sommes capables de dire différemment de longtemps, grand monde là qui a été contre le programme, monde là qui a été mais qu'on a, c'est pas la même chose. Par le passé, l'homme volé, c'était une honte. Ou t'es banni. C'est comme dans la Grèce antique, où tu es banni, ou bien condamné à mourir. Mais aujourd'hui, normalement, ceux qui trichent, on les considère comme des héros, des héroïnes. C'est vrai, tu as une éducation, ou même l'autre l'école, moi-même l'autre l'école. Quand on a sous-campé dans une classe, où des élèves n'ont pas triché, ils déclarent comme moi, ou même pas de tricher. Moi, je me souviens, c'était celui de Gonzague. Je ne sais pas quoi normalement, où élève Saint-Louis qui a osé. Prends poule. Prends poule, prends papier, vous venez avec papier ou bien livre, etc. Eh et bien, vous êtes banni de l'école. Nous étions sans ce collège Bird. Eh bien, la loi était telle. C'est M. Oni de Roche qui était directeur à l'époque. Le règlement était tel. Quiconque, vous avez ou triché, non, ou t'es banni de l'école là, toi. Il faut par conséquent que vous commencez justement à l'école. Il faut que les pasteurs, les prêtres, etc. en parlent. Voilà. Okay. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, nous avons trouvé non, c'est tout à fait naturel qui a volé, a triché. Et puis je dis, normalement, nous n'avons pas qu'une honte, et c'est tout à fait naturel, l'a triché, l'a couru sous belle machine. Même pas qu'un problème, on a couru sous belle machine. Déclaration au contraire, moi-même toujours dit, enrichissez-vous, mais dans l'honnêteté. Enrichissez-vous académiquement, enrichissez-vous spirituellement, aimez ce pays. Parce que sous douer mes pays, et pour voler ou tricher, n'est-ce pas en pile dans n'est-ce pas petit là-bas. Il y a commencé l'argent, pas tous les moyens pour voler là-bas. Au détriment de ce pays. Regardez le problème psygo qui est présenté là. Problème psygo. Une série de parlementaires qui s'est arrangé, pas vrai, pour ouvrir des écoles fictives. On avait demandé ces écoles-là, c'est dans la valise de l'école. Et jusqu'à présent,
gon CD école qui véritablement t'a fait programme nan avancé jusqu'à présent gon CD directeur qui pas jamais katouche la jour. J'ai rencontré un ancien ami qui fait un ancien député qui gon l'école actuellement. Il m'a confié, il pas même dans programme Segoa, yo met non carrément, c'est ouais relé puis vienne prendre l'argent. Il avait refusé. OK. Professeur Jean-Pierre, en an question parlement haïtien et au suivre question qui a rapport avec rapport sur gestion fonds Petro-Caribéa. Oui, à la vérité, mais il paraît normalement maintenant que chaque monde joue des arguments pour être capable de dire non, moi je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent. Tant que l'État, encore une fois, et chef du monde, pas prend décision ferme, condamner les éléments qui méritent d'être condamnés, juger-les, condamner-les, tracer des exemples pour capable de société à espoir, de jeunesse à qui désespéré, espoir. Il faut que, voilà une occasion inespérée avec Petro-Caribéa. Nous souhaitons que pas mettre nos tiroirs carrément. Il est temps que vous prenez une décision ferme, tracez des exemples. Jusqu'à présent, séance là, pourquoi j'aime qu'à faire sur la poste? Eh bien, c'est du marronnage. Vous avez des éléments qui n'ont pas d'intérêt que séance là fait. Il y a des gens qui ont demandé aide internationale. Il y a demandé aide internationale pour mettre au normal sur la tutelle de éléments. Parce que vous avez des soi-disant des amis d'Haïti qui rentrent dans la corruption en tout. Pour faire l'argent par eux. Il y a des ONG qui ont corruption tout. Je me souviens du directeur général du ministère des Affaires sociales. Quand je réunis tous les ONG qui font évoluer dans la Cité Soleil, je dis aussi, nous là depuis plus d'une dizaine d'années, mais Cité Soleil était toujours Cité Soleil, coûte des millions de l'argent à la pointe. Côté de la million de dollars qui passent chaque année que nous recevons. Ça le fait. Eh bien. Il est fort possible que certains normalement soudoyer deux ou trois gros chefs, etc. Et puis on s'en fout pas mal. La vie continue. Donc, bataille ça n'est pas facile pour le président de la République là. Bon, pas jamais une bataille qui est facile. Mais le président doit oser et nous faire président confiance. C'est bien. Et dans ce sens, on a rappelé que le président Emmanuel Macron, président français, dans la déclaration, il était fait tête ensemble avec le président haïtien, il était salué, travailleur président haïtien. Jovenel Moïse a fait dans le cadre de la bataille contre la corruption. Dans le chapitre ça, professeur Jean-Pierre, nous prenons à rentrer dans un point fort que nous avons pour discuter sur l'IA. C'est plusieurs partis politiques qui mettent tête ensemble et qui avaient une entente pour capable faciliter stabilité politique dans le pays. Mais initiative d'abord, quand elle sortit? Bon, c'est un groupe de chefs de partis politiques. Nous constatons normalement que manifestation journellement, chaque semaine, pour demander des choucages, Rachel Mayoc, ça nous constate, ça ne mène nulle part. De tous les temps, Rachel Mayoc n'a pas mené nulle part. On s'est entendu, nous regrouper force non, nous fusionner force non. Au nom de plus d'une vingtaine de partis politiques, pour nous mettre sur pied entente nationale pour la stabilité et le progrès. Nous entendons apporter notre appui, pas inconditionnel, au président de la République, dans la mesure que la matérialiser vraiment programme et respecter engagement pour combattre, par exemple, la corruption dans le pays d'Haïti et pour contribuer. Et nous constater qu'il est sur la bonne voie pour le développement de ce pays et pour que Haïti soit capable de retrouver dignité et le respect. Ben nous avons quelques partis politiques très connus qui. Bon, ils sont nombreux. Nous avons un consortium, un G18, nous même OPL était voué là-dedans pour participer. Et je ne dis pas que OPL est rentré là-dedans, non, mais il y a une quantité de partis politiques et ils sont nombreux, etc. Il y a le Parti de la Révolution sociale que moi-même, moi, secrétaire général, lui. Ah ouais? Et non, nous faisons partie intégrante de cette entente. Parce que entente là, l'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple haïtien pour renoncer à jamais à la violence physique et morale, de travailler pour la justice sociale, pour un développement durable, pour nous relever le défi du sous-développement, pour revaloriser la femme haïtienne. Ça, c'est un cadre manifeste. C'est un cadre manifeste. Oui. Pour nous revaloriser la femme haïtienne, l'homme haïtien d'ici d'ailleurs, en tant que visé à la construction d'un État fort, prospère et souverain,
et nous avons travaillé avec amour, avec respect et en toute objectivité. Là, on était sur l'aspect ça avant que nous continuions, professeur Jean-Pierre. Un État fort est s'ouvrir. Ça ne me dit pas là. Ah, un État fort. On l'État, pas vrai, qui gagne des institutions, pas vrai, fortes, et ces institutions-là sont tout le monde respecte la loi, la constitution, hein, pas vrai, et que le président trace des exemples, la dirige au service de tous sans exclusion, ça, c'est un État fort. Pas un État fort dans le sens normalement et dictature, non, non, loin de là. Un État fort, c'est un État qui travaille pour l'éducation. Un État fort, c'est un État qui travaille pour la sécurité. Oui. Est-ce que dans le cadre de sécurité que nous avons parlé, et puisque officiellement, 18 novembre dernier, le président de la République a relancé l'armée d'Haïti? C'est un plus gros acte positif que le président posait. Il était temps que l'armée haïtienne soit réhabilitée. Ce que plus d'un pas comprendre, c'est l'armée indigène qui a fait du 104. Bien entendu, avec les masses paysannes. C'est vrai, de 1804, l'indépendance une fois réalisée, jusqu'à 1915, on n'avait pas une armée nationale. On avait ce qu'on appelle la féodalité militaire qu'on avait. Par exemple, dans les grandes régions, le sud, Jifoua dans le sud se considérait comme le seul coq chanté dans le sud. À l'ouest, Pétion impatient, il attendait son heure. Quant à Christophe dans le nord, n'en parlons pas. Et tout au long normalement, du 19e siècle, qui ça nous constatait, ils sont sortis dans le sud, par exemple, en 36 mois, bon, ça me vient à l'esprit, ils rentrent pour prendre, ils viennent prendre pouvoir. Ils sont sortis dans l'ouest, ils sont sages, dans l'ouest, pas dans l'ouest, ils sont Saint-Marc. Il vient prendre pouvoir, c'est la Tibonite. Hippolyte sorti normalement dans le nord, il vient prendre pouvoir. C'était toujours ainsi à travers le temps. Au tournant de 1915 maintenant, et l'occupation américaine, ils sont venus les quitter, ils mettaient la gendarmerie. Mais c'était une armée d'occupation, d'oppression qu'elle était. Nous espérons maintenant que l'armée, ça, son armée, qui est une armée nationale au service des Haïtiens, au service du développement et cap assurer véritablement et sécurité peuple là, parce que à travers l'armée nous jeunes fierté, nous à travers l'armée nous jeunes la discipline, à travers l'armée nous gagne espoir que souveraineté nationale là pas passe en bas pied, parce que corruption c'est un facteur qui contribue justement à faire nous perdre souveraineté nationale. Parce qu'on a regardé aspect contrôle maintenant. C'est encore au niveau des frontières. C'est encore la corruption. Nous espérons maintenant qu'avec l'armée, véritablement, qui peut quitter le soudoyer par un secteur réactionnaire qui ne pense qu'à leur vente et leur bas-vente, pour que normalement que l'armée fait travail pour au service de cette nation. Nous rappelons que vous suivez l'émission Mise au point chaque matin pour nous capables de discuter sur ce qui a dominé l'actualité. Et maintenant, nous allons recevoir le professeur Jean-Renaud Jean-Pierre. Alors, je nous dis là, c'est professeur Jean-Renaud Jean-Pierre qui est avec nous matin là, avec lui, nous avons gardé plusieurs aspects, et notre dernier point que nous avons là, et c'est nous avons gardé aspect plusieurs partis politiques et organisations qui regroupent, qui mettent tête ensemble pour capable faire ça corréler en tant que national pour la stabilité et le progrès. Et dans le point que nous avons débattu là, c'est question manifeste là, et un point que nous avons gardé là, c'est question un État fort, un État souverain. Après ça, qui l'autre point quoi qui est manifestant pour ça? Bon, nous disons que l'entente décide de lutter pour tout. Pour l'éducation, pour santé, pour travail, pour alimentation, pour la terre à ceux qui travaillent la terre, un droit, la justice sociale, la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas dissolver dans le bouchon. Bon, la démocratie sous-entend travail pour tous, manger pour tous, l'école pour tous, santé pour tous, justice pour tous. Parce que dans la quoi Haïti, je dis, si vous n'avez pas de pouvoir, ou pas de l'argent, ou pas de justice, non?
Un jeune, il a arrêté, il allait avoir ses 18 ans. Son technicien qui connaît ranger laptop, il volait laptop là, la caille. Mettre laptop là, il y a un cousin qui est policier, il faut arrêter. Cet enfant a passé 3 ans sans être jugé. Et heureusement, grand frère qui vient avec moi, qui finalement m'a demandé qui ça m'est capable de faire. L'aimer vient dans le paquet, le dossier a disparu. Un enfant qui passait 3 ans sans être jugé, il n'avait même pas encore 18 ans. Voilà la réalité. Pour qui ça? Il n'a pas gagné l'argent. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas gagné le pouvoir. En Haïti, qui ça nous constate, il a toujours mené la guerre contre les pauvres, mais il n'a pas jamais mené la guerre contre la pauvreté. Même situation présentée. Okay. Donc nous-mêmes, nous disons normalement, nous-mêmes, nous travaillons pour, c'est pour tout le monde, pour la souveraineté nationale, pour la paix. Mais la question de démocratie, professeur Jean-Pierre, question Mundi Sovle Agboucho, il y a un phénomène qui est presque incontrôlable. Ces réseaux sociaux, côté n'importe monde capable de cacher des réseaux sociaux, écrire n'importe bagarre sur le monde et puis la gueule. Comment capable de gérer le phénomène ça? Alors là, je ne suis pas un technicien dans ce domaine. Il revient à l'État ici parce que ce soit aux États-Unis, que ce soit normalement dans les pays avancés, la Chine, la Russie, etc., ils ont contrôlé la question ça. Parce que dans le pays d'Haïti, il y a un plus gros problème à confronter, c'est que l'Haïtien à tout moment, ou bien doit innocent. Et puis, il a gardé tête au noir en binet, il dit bon, ok, et puis il met ton. Il met ton bas sur tête. Il met ton bas sur tête, il décide normalement pour détruire. D'abord, c'est ce que fait en général l'Aïwan, en plus l'Aïtien. Ouais. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, on s'en fout pas mal. Okay. Et pour vous voir là, normalement, salir, pour toujours. D'accord, on n'a pas avancé dans le manifeste là. Oui, nous dit normalement que. Notre travail pour la souveraineté nationale, pour la paix, contre la discrimination, les préjugés séculaires. Et nous disons, nous ne pouvons pas cesser la bataille, pas avant que le peuple a obtenu satisfaction. Et comment nous allons mener la bataille ça? Eh bien, avec chef Dumont, avec tous les Haïtiens conséquents, tous ceux vraiment qui aiment ce pays, tous ceux qui décident que eux-mêmes, c'est là à vivre. La caille, c'est la caille. C'est le seul côté. Vraiment, cette patrie, c'est notre maison commune. C'est le seul côté nous capables de matérialiser toute aspiration. Non? Ouais? Nous ne voulons pas partir là-bas pour nous servir comme un numéro 4 social là-bas. Nous voulons contribuer à développer le pays. Non? Mais, professeur Jean-Pierre, nous, c'est un regroupement de partis politiques et d'organisations qui a couru pouvoir en place là, mais vous n'êtes pas au pouvoir. Bon, on pas obligé au pouvoir pour courir au pouvoir. Dans la mesure que le pouvoir fait bon bagage, il est tout à fait normal. Quoi. Alors, dans le sens que ça nous dit que nous prêts à le faire là, comment nous prêts à le faire puisque nous pas au pouvoir, c'est courir à courir au pouvoir là. Encore une mécanisme fois. Que nous prêts à le gagner effectivement pour que nous réalisions ça qui est écrit dans le manifeste là. Non, chef du monde, écoutez bien. Il y a des gens qui pensent qu'il faut un pouvoir dans la main pour servir le pays. Moi, j'ai plus d'une trentaine d'années que je m'ai enseigné. De directeur lycée Jean-Jacques, de directeur lycée Pétion. Ouais. J'ai servi le pays avec amour. Et jusqu'à présent, je suis la créa même. Je suis professeur à l'université, je suis professeur de sciences politiques. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à l'université Notre-Dame? Je suis inagé, j'ai laissé. Je suis faculté de technologie, j'ai abandonné aussi certains points. Mais je continue à servir le pays. Ou pas obligé normalement au pouvoir. Il est vrai qu'il y a le pouvoir aussi les moyens. C'est vrai. Mais combien qui sont au pouvoir et qui pas jamais vraiment servi pays, qui plutôt servi poche, qui plutôt servi un petit clan, un petit groupe, qui plutôt servi normalement les familles, etc. Okay. Il faut qu'on se mette au service de tous les Haïtiens, sans exception, sans discrimination, sans question de religion, de sexe, etc. Donc, nous prêts censés plus engager nous aspects de sensibilisation, de motivation. Sensibilisation, motivation,
apprendre peuple haïtien aimer pays, apprendre peuple haïtien respecter monde, parce qu'en Haïti aujourd'hui personne ne respecte personne. OK. On vous respecte soit parce que vous avez une couleur, on vous respecte soit parce que vous avez l'argent, on vous respecte soit parce que vous avez un pouvoir. En grande partie. Il est temps que les valeurs soient valorisées en Haïti. Parce que aujourd'hui les valeurs n'ont plus de valeur chez nous. On a quoi pour ça dans le manifeste là? Et nous dit normalement que l'entente vite invite tous ceux et toutes celles qui sont fatigués de cette lente agonie dans laquelle le pays est plongé à le rejoindre avec le peu d'énergie qui leur reste. Ensemble, nous pouvons remonter la pente et jeter les bases d'une Haïti nouvelle qui fera la fierté de nos ancêtres. Nous avons fait du 1804, nous pouvons encore étonner le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, les mots n'ont plus de sens dans ce pays. Vous voyez, les concepts sont galvaudés. Les plus belles promesses ont duré l'espace d'un temps. La confiance en l'autre, en soi, a presque disparu. Les réactionnaires, les sectaristes ont tout fait depuis plus de 200 ans, excuse-moi, pour éteindre la flamme d'espoir qui brille en nous. En nous gardant un aspect, ça pour ce Jean-Pierre, la perte de confiance. C'est une barrière qui manifestait au niveau de taux de participation population dans les élections. Est-ce que les leaders politiques n'ont pas vraiment responsables de ça qui est arrivé, de perte de confiance? Bon, ce n'est pas seulement les leaders politiques. Non? Tout le monde, pouvoir en place. Par exemple, quand il y a un pouvoir, il y a arrangé normalement pour que l'élection soit à leur faveur. Ça, c'est tout un problème. Il est vraiment, on a en Haïti de mauvais perdants aussi. On a surtout de mauvais perdants. Mais n'empêche que les gens qui utilisent le pouvoir, pas vrai, pour faire la corruption, pour accaparer le pouvoir. Nous espérons normalement dans les nouvelles élections, là, vraiment transparente. Parce que moi-même, je suis ancien membre du conseil électoral, je peux vous dire normalement comment la situation est. C'est grave. C'est grave. Les gens viennent pour foutre l'argent, pour pouvoir faire pression sur vous, communauté internationale a fait pression sur vous, parti politique a fait pression sur vous, les choses ne sont pas faciles. Okay. Mais il faut résister. Il faut résister, il faut son exemple. Oui. Okay. Gagner une loi sur financement et institutionnalisation parti politique, gagner une équipe qui travaille, qui font proposition à pouvoir exécutif là, et pouvoir exécutif qui so gagne la donnée de comment que vous êtes capable de financer parti politique et particulièrement parti politique qui gagne un représentant au niveau des pouvoirs. Moi, pourquoi ça arrive? Il est vrai que je suis chef d'un parti politique, le Parti de la Révolution sociale. J'ai toujours prôné le regroupement des partis. J'ai toujours prôné, pourquoi pas, quatre grands partis politiques dans ce pays. Parce que la multitude de partis politiques, pas veut dire démocratie. Pas veut dire démocratie. Par exemple, moi-même, pourquoi pas le Parti national qui existait, premier parti qui existait depuis le 19e siècle, le Parti libéral qui est un parti de droite. Et puis ensuite, un parti de gauche, un parti socialiste, toutes les tendances confondues. Oui, mais pour ça, j'en dis la professeur Jean-Pierre. Et les indépendants. Pas vraiment idéologie politique, ils ont vraiment clairement défini. Maintenant, ils ont dit presque pas une idéologie politique. À la vérité, une quantité de monde, normalement, ce sont des patatis. Ils se présentent comme étant, souvent, Gapinayo qui se présente comme étant de la gauche. Sauf façon pour utiliser Baïs et peuple là pour prendre le pouvoir. Mais arriver au pouvoir, ce sont de véritables réactionnaires, des extrêmes droits. De Pochevin droite. Pochevin droite. En tout cas, le Parti de la Révolution sociale, nous nous réclamons normalement du centre-gauche. Okay. Il est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Nous sommes à la recherche des hommes conscients, des hommes préparés et qui décidaient pour faire le pari pascalien, pour faire sacrifice que ancêtre nous a fait, que papa de Saline a fait. L'abnégation de soi. Il est temps normal que nous continuions sur le même lancer. Il y a un ancien secrétaire d'État française qui est rentré en Haïti. Il dit ancêtre nous a été mis bas trop haut. Ce n'est pas vrai. Bas pas trop. C'est un jeu olympique.
longtemps normalement pas vrai dans les Jeux Olympiques, ou athlétisme. Ou te kon vole, peut-être m'a koné, m'a bon exemple, comme ça, 20 de hauteur, m'a koné, 20 pieds de hauteur, qu'on y a la fois, 30, 40, etc. Donc la question, c'est pas bas trop haut. C'est parce que peuple haïtien, une petite minorité, s'est accaparé du pouvoir pour remplir poche. Il a accaparé une minorité qui plein l'argent, tout, qui refusait investi dans le pays, conseil dans qui refuse d'investir dans le pays, il investit dans la République dominicaine, il investit dans la Floride, il investit Panama, Porto Rico, et puis il a parlé d'insécurité. Ils sont les responsables de cette insécurité. Il y a des jeunes professeurs qui sont capables de dire interne, qui ont des visions, mais qui peuvent rentrer dans la politique. Là. Bon, tout le monde n'est pas obligé de faire politique. Il est vrai, par la politique, soit fait vraiment avec tout cœur, avec tout amour. Pour diriger, pour mener la nation à côté. Pour mener la nation vers le progrès, vers l'avancement. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire politique. Et nous, dit jeunes, qu'on le veut ou non, qu'on va faire politique actif, ou bien on va faire politique et passer, tu fais de la politique. Oui. Moi, je m'encourage plus de normalement à s'intégrer dans ce parti politique. Mais il est temps aussi que les Haïtiens aient des convictions, qu'ils aient une idéologie. Mais, ma prédit encore, le problème n'est pas en question ni de droite ni de gauche. C'est une question d'homme. Il nous manque d'hommes dans ce pays. Parce que, quel que soit soyeur, quelle soit couleur, quelle soit religion, ça nous a cherché, ce sont des hommes intègres, des hommes honnêtes. Qui est capable d'influencer ce système-là. Capable d'influencer ce système-là. Monde vraiment qui aime le pays, qui a un amour des intérêts pour le pays. Prenons le cas papa de Saline. C'est l'exemple des exemples, le modèle par excellence. Dessalines avait plus d'une trentaine d'habitations. Et nous connaissons une habitation qui a des centaines, des milliers de carreaux de terre. Il a tout abandonné. Il l'a dit. J'ai tout abandonné pour voler à votre secours. Enfants, parents, femmes, fortune. Et il conclut, aujourd'hui je me sens riche, je me sens libre parce que vous êtes libre. Qui plus gros acte, qui plus gros sacrifice. Qui peut plus gros preuve d'amour que vous capable de présenter aux hommes. C'est l'humaniste par excellence. C'est l'humaniste par excellence. Il y en a pour que nous voulons combattre ou bien nous mentionner dans la question manifestante, c'est l'aspect l'injustice. Et il y a un questionnement qui a fait ce système judiciaire là, opinion par nous, et comment que nous pouvons influer sur l'aspect justice. Ça va bon ici. Bon. Je ne suis pas un juriste. Cependant, nous invitons tous ceux pas vrai, qui pratiquent Samkare, les hommes de loi, parce que l'injustice, la corruption, sortit de eux-mêmes. Oui. En plus, on ne peut pas dire tout, mais en plus, parce que vous avez une perception qui dit que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de justice. Non, c'est certain. C'est certain. Alors que nous prêtons serment comme étant normal les défenseurs de la veuve de l'orphelin, mais grand pile dans c'est pas ce moyen normal qu'ils deviennent riches. D'abord, nous disons carrément que nous avons un ancien camarade, moi. Et nous pas dans la même classe, bien entendu, mais tu es professeur Javem, qui est directeur Javem. Il dit carrément, j'ai pu bêtiser, oui. Ça me fait non jour, ou pas qu'à faire non année, non? Seigneur. Je ne dis pas que c'est la corruption, non? Mais c'est pour vous dire normalement comment la situation est. Okay. Ouais. Donc, que tout le monde prenne responsabilité. Okay. Les juges, les avocats, la cour d'appel, cour de cassation. Ouais. Il faut que tout le monde prenne leur responsabilité pour ce pays. Quel autre point vous voulez mentionner dans le cadre manifestant? Bon, nous disons normalement, nous faisons appel au peuple haïtien. Que nous connaissons peuple haïtien dit lui-même you know objectif non même chez parti révolution sociale là nous dit objectif non c'est réaliser deuxième phase révolution haïtienne là, phase constructive révolution haïtienne là. Parce que nous font première phase dans la révolution 18 novembre 1803 c'est phase destructive là que nous t'ai fait avertir. Maintenant, au lendemain du 1804, nous avons une possibilité pour nous faire face constructive là. Et ces phases constructives là qui avaient débouché sur une révolution sociale, qui boycottait avorté au tournant du 17 octobre 1806.
Et au lendemain du 17 octobre 1806, ça n'a guillemeté le néocolonialisme qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Donc c'est idéologie ça, Pérez Gué. Non seulement c'est idéologie ça, Pérez Gué, c'est idéologie ça tout que nous voulons embrasser tout en tant que là. Ouais. Nous dit normalement, nous faisons appel aux ouvriers, aux cultivateurs, aux paysans, aux commerçants, élèves, étudiants, professionnels, haïtiens, haïtiennes, de partout. Nous disons que l'heure est grave. Pays a en péril. Président et président Préval te dit nager pour sortir. Et puis nous disons normalement, pas que sa pièce avec son nager pour sortir. Nous avons atteint le point de nos retours depuis plus de 2 siècles. Ouais, d'aïva ou kadaïva ou a fait 2 bras en plus pour aller jouer la mort puis devant. Dans 2 bras en plus, est-ce que nous font petit bras bon côté l'autre parti qui t'a pas t'approche pouvoir et qui t'a un petit problème avec pouvoir en place là? L'autre parti politique. L'entente nationale pour la stabilité et le progrès est ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il y a des démarches qui fait auprès de vous-même par exemple? Certainement. C'est un pile parti qui peut intégrer, mais qui voit représentant pour voir comment il a marché. Même parti qu'au pouvoir actuellement, et n'a pas là. Comment il est encore? PHTK. Mm-hmm. Parce que je m'excuse si je me dis PHTK, parce que je ne conçois pas un parti capable de PHTK. Parti tête calée. Je m'excuse, mais c'est pas, je ne conçois pas. Et me dit là, qui fait l'entendre? Je ne déplaise à plus d'un. Donc, il y a une démarche qui a fait pour que nous sortions dans 21, nous allions beaucoup plus de partis politiques qui ont soutenu nos capacités pour le gouvernement. L'entente est ouverte à tous les partis politiques. L'entente est ouverte à toutes les organisations, au syndicalisme, l'entente est ouverte à tout le monde. Mais ce n'est pas un chèque en blanc que nous avons pouvoir. Certainement pas. Depuis le pouvoir fait ben, qui bon, n'a pas applaudi, n'a pas appuyé, n'a pas soutenu. Parce qu'en Haïti, son seul bagage est toujours là, c'est lâchez-moi. Et nous, ouais, ça s'abaisse. Nous faisons un coup d'État en 1991, nous perdons la souveraineté nationale. Pays a vu plus pauvre. Nous faisons l'autre coup d'État en 2004, pas gagné série qui est réalisé. Nous voyons mon aller, il n'y a pas longtemps, là, nous forçons. Nous faisons comment la transition etc. Gennek c'est n'a fait des autres là même on est capable d'accéder au pouvoir et gennek qui au sein de pouvoir là cap battre pour un coup d'état ou bien non pour gouvernement renversé pour capable à capable sauter pouvoir normalement. Donc c'est ça en conclusion pour Monsieur Jean-Pierre. En conclusion, nous invitons tout le peuple haïtien en général, nous disons que l'heure est grave, en nous mettez force nous ensemble, en nous fusionnez force nous. Parce que c'est une honte. Haïti, c'est nous-mêmes qui papa liberté. C'est nous-mêmes qui papa démocratie. C'est nous-mêmes qui papa droit de l'homme. Je dis, nous sommes une honte pour le monde entier. Nous disons que nous avons fait du 104, nous sommes capables encore d'étonner le monde. Il suffit normalement que nous mettions nous ensemble, que a fait chaque coucou clic pour GA. Ça ne peut pas rapporter. Gagnons ensemble. Professeur Jean-Pierre, merci. C'est un plaisir pour nous être capables de vous recevoir. C'est un plaisir, tout, chef du monde. M'espère normalement que j'aurai l'occasion encore pour nous débattre d'autres sujets. Studio Télévision Nationale d'Haïti a toujours été ouvert pour vous-même à n'importe quel moment pour nous être capables de toujours discuter aspects politiques. Avant que nous allions permettre que nous disions bon anniversaire à directeur information, non Serge Nolendor, qui jeudi 13 décembre a soufflé un lot de bouger, chef Jean-Pierre, tu es comme ça? Moi, je ne suis pas comme ça. Je profite de cet ami et puis son professionnel et on est qui rationnel, on est qui remet pays. Je profite de l'occasion pour me souhaiter les amis une bonne fête. Serge Nolendor, bonne fête à amis téléspectateurs. Nous sommes contents ensemble avec vous. Nous souhaitons passer une très bonne journée et bonne suite de programmation sur la télévision nationale d'Haïti. Ok, camarade.